je vais dire le colis. Si je vais dire, si je vais dire le chat, je dis le chat. Si je vais dire un autre mot, je dis l'autre mot là aussi. Tout ce que je veux dire. Je ne peux pas dire le nom de ce monsieur-là. Parce que toi qui écris là, tu sais qu'il n'était pas avec Allah, ça c'est sûr. Ceux qui sont avec Dieu, même s'ils ne sont pas pratiquants, on le sent. Et ma robe là, vous êtes toujours en train de dire tu es voilé. Oui, je suis voilé parce qu'il y a très rare de personnes qui font ça. Mais est-ce que vous dites aux filles qui sont dénudées, tu es dénudée, arrête de parler de la Guinée. Pourquoi vous ne dites pas ça? Si vous disiez ça depuis très longtemps, il y aurait eu plus de femmes qui portent ça et ça allait moins vous choquer. Mais comme c'est rare, comme ce que Dadis a fait, c'est tellement rare que ça choque les gens. C'est ce que je ne comprends pas chez les Guinéens. Si vous vous battiez depuis longtemps contre les produits éclaircissants, vous allez sur les directs, ce que vous écrivez sur ma robe là, vous écrivez ça sur les produits éclaircissants, sur les faux cheveux. Mon frère, tu aurais fait beaucoup de choses que moi je ne peux même pas faire aujourd'hui là. Donc, si le jour qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont porter ça, ça ne va pas te choquer. Même si elles s'arrêtent dans la rue, elles insultent. Tu vas trouver ça normal parce que ce n'est pas rare, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui portent. Donc, cette rareté là, il faut apprécier. Voilà, ce n'est pas en écrivant cela que moi je vais changer mon langage. Moi, Dieu m'aime. Il m'aime comme il aime Dadis. S'il n'aimait pas Dadis, Dadis n'allait pas revenir en Guinée en cet instant-là. Et le colis, comme c'est le mot colis là qui te fait mal, je vais dire ça comme j'en ai envie. Voilà, c'est le colis. Le colis là, moi je le connais plus que toi, mieux que toi, parce qu'il n'était pas avec Allah. Il n'était pas avec Dieu. Donc je n'ai pas le droit même de dire son nom. Ça c'est connu. Tout le monde entier sait ça. Ceux qui sont avec Dieu, je l'ai déjà dit ici pour le colonel Mamadi Doumbouya, quand il a fait jurer les gens sur la Bible et le Coran, lui, il n'a pas juré dessus. Mais il est en train de mettre Allah, il est en train de mettre Dieu dans sa gouvernance. Que lui ne jure pas dessus, ça c'est son problème. Mais s'il fait cela, c'est une très très bonne chose. Donc si Dadis l'a fait, c'est cela. Pour dire, je suis venu. Ce que je suis venu trouver ici, je ne sais pas. Tous les anciens qui étaient dans le coup, qu'on soupçonne être dans le coup que j'ai eu, Allah et Dieu seul sait la vérité. Ils sont tous là. Konaté sera là. Toumba est là, même s'il est enfermé, mais il est là. Mathurin est là. Toutes les personnes que vous connaissez. Attendez. Je me suis rappelé d'un truc, je vais écrire. Toutes ces personnes-là sont là. Dieu seul sait ce qu'ils peuvent me faire. Donc là où ils viennent là, c'est Allah, c'est Dieu qui peut le sauver. On peut le tuer. On peut ne pas le tuer. Il n'est pas en position de force. Donc il se confie à Dieu. Dès qu'il descend sur terre, sur le sol guinéen, je suis venu, je suis revenu chez moi. Je suis revenu là où je suis né et là où j'ai grandi. Je suis venu là où on a voulu me tuer. Et ceux qui ont voulu me tuer, c'est Dieu qui sait la vérité. Ils sont là. Certainement, ils sont là. Ceux qui étaient dans le coup, ils sont là. Toi, Dieu qui m'as sauvé pendant ce jour-là que j'ai pris une balle dans la tête, c'est toi qui m'as sauvé. Pendant ces 12 ans-là, c'est toi qui m'as sauvé. Ah ouais, je me confie encore à toi. En même temps, ces deux communautés, j'ai dû certainement faire leur faire du mal en une année de gouvernance, ou même si c'est en une semaine de gouvernance, j'ai dû certainement faire du mal ou du bien à ces deux communautés, même si c'est 3, 4, 5 personnes. En même temps, je leur demande pardon. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'un musulman ne fait pas ça, un catholique ne fait pas ça, ou il ne touche pas, si il ne touche pas. Non, non, non. Ça veut tout simplement dire cela. C'est tout. Donc, là où Dadis est aujourd'hui, il est dans les mains de Dieu. Nous allons prier pour lui. Profiter de cette occasion, le confier au Créateur, comme il le dit dans son discours, et en même temps, le confier sa sécurité au colonel, au CNRD, parce que l'armée, ils ont toujours des coups bizarres. Ils sont toujours dans la trahison, les gens de l'armée là. Ils sont toujours dans les faux problèmes. L'armée est comme ça. Chacun vient avec son truc tordu. Chacun a son groupe, à gauche, à droite. Donc, nous devons attirer l'attention de tout le monde dessus, sur la sécurité des Dadis. On sait ce qui s'est passé. Quand t'as raté une fois, on ne peut pas savoir ce qui peut encore se passer, ce qui peut encore arriver. Il faut faire très attention à cela. Je vais signaler un autre point. C'est un truc que les gens n'aiment pas entendre. Quand tu parles du côté ethnique, nous sommes très ethnicisés politiquement. Ce n'est pas parce que les ethnies se marient entre eux
qu'il n'y a pas un problème ethnique dans ce pays. Le problème ethnique, il est là. Il faut oser en parler, il faut oser l'accepter, il faut oser le dire et l'assumer. Quand nous allons l'assumer, nous allons peut-être avancer. Nous savons que le colonel et Sekouba Konaté sont de la même ethnie. Donc, je crois que parmi tout ce groupe, peut-être il y a un ou deux forestiers. Ça joue énormément. Nous savons que les gens, en général, nous les Guinéens, les autres ethnies, nous pensons beaucoup que les forestiers, eux, ce sont des sous-hommes. C'est ça la vérité. Il faut le reconnaître. Les deux souffre-douleurs ethniques en Guinée, c'est les forestiers et les peuls. C'est ça la vérité. Ça, c'est encore un facteur. Celui qui n'est pas content que je porte le voile et que je parle de cela, ça, c'est un facteur que vos religieux doivent vous faire et que toi-même, mon frère, qui n'est pas content, tu dois faire cela, peut-être les vidéos, les écrits, que c'est cela aussi l'islam, accepter l'autre. Je vais vous rappeler, le prophète paix et salut sur lui, quand il a reçu les Éthiopiens, je crois bien, il leur a donné une petite partie de la mosquée pour qu'ils prient. Oui, renseignez-vous. Il leur a donné une petite partie de la mosquée pour que les chrétiens puissent, les catholiques puissent prier à côté des musulmans. Donc, il y a toujours eu, c'est les voisins. Voilà, il y a des similitudes, il y a les divergences et les convergences. Je profite de l'occasion, les fêtes qui viennent, catholiques qui viennent, ce sont les fêtes catholiques, ce sont les fêtes chrétiennes. Nous ne devons pas les fêter parce qu'il y a des choses qu'eux, ils croient, que nous, on n'est pas trop d'accord avec ça. Donc, si on fête, c'est comme si on validait cela. Vaut mieux éviter, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Voilà, moi qui vous parle, s'il y a des catholiques qui seront choqués là, qui me voient pour la première fois, moi, ma mère, elle est catholique. Pourquoi moi, je vais sortir du ventre d'une femme qui est catholique et que je sois comme ça aujourd'hui? Ça, c'est Allah qui peut faire ça. Parce qu'il connaît la bouche du Guinéen. Il connaît comment vous êtes. À un moment donné, déjà, on le dit que je suis extrémiste. Les gens le disent. Je m'en réjouis. Je suis très, très contente qu'une femme soit extrémiste. C'est très, très bien. Parce que quand les femmes font des choses, souvent, elles le font très, très bien. Donc, si je suis extrémiste et cela convient à une femme parce que je fais des choses aujourd'hui, déjà, les gens ne sont pas contents, mais que ce soit une femme, ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus acceptable si c'était un homme. Si c'était un homme, on a dit, lui, il impose les trucs, c'est ainsi, c'est ainsi, mais comme c'est une femme qui le fait, c'est bien fait et sa mère, elle est catholique, ça peut passer, c'est une très très bonne chose, malgré que j'ai grandi dans une famille catholique, mais moi, c'est l'islam qui m'a sauvée. Nous allons revenir à M. Dalis. Inch'Allah. Donc, Dadis se confie à Allah. Voilà, il est dans ses mains. Tout ce qui va arriver aujourd'hui, ça sera grâce à lui. Si on vient le tuer dans son sommeil, si on monte un complot ethnique contre lui, quoi qu'il en soit, il a raison. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, ceux qui sont en train de le critiquer, oh, un musulman ne doit pas toucher, un catholique ne doit pas toucher au Coran. C'est-à-dire, je ne comprends pas le Guinéen. Vous, tout ce que vous dites souvent sur la religion, même sur moi, dans les commentaires et tout, qu'est-ce que vous faites pour l'islam? Je vous pose la question. Que ce soit les hommes politiques ou qui que ce soit, dans les discours, qui dit Dieu ou Allah, combien? Combien de personnes? Les gens ont ce complexe-là. Ils ont honte de le faire. Parce que tout simplement, les Occidentaux, vous aimez les critiquer, mais vous ne les critiquez pas dans ce sens-là. Parce que ceux-là ont dissocié la religion de la politique. Peut-être pour eux, ça réussit. Qui vous dit que si ça réussit pour eux, ça va réussir pour vous? Pour l'instant, ça n'a pas réussi. Hein. Mais qui veut faire marche arrière? Personne. Parce que vous voulez calquer ce côté-là aussi sur eux. On ne prend pas tout sur, on ne peut pas tout prendre chez une personne. On prend ce qui nous arrange. Moi, je porte ça pour que Iblis s'éloigne de moi. Je ne veux pas qu'il s'approche de moi. Non, non, non. Lui et moi, on est restés trop longtemps ensemble. Ça ne m'a rien apporté. C'était que des faux problèmes. Donc, j'ai arrêté. Je ne veux même pas qu'il touche. Je ne veux même pas qu'il me touche. Et ceux qui ne sont pas contents, dans l'avenir, Inch'Allah, dans l'avenir, j'envisage, si Allah me le permet, de me mettre en voile intégral. Je pense que la page là va disparaître aujourd'hui. Facebook ne sera pas du tout content de porter le voile intégral et de me lancer dans du social et de la politique. Voilà. Maintenant, à ce moment-là, on verra si Allah me donnera la force ou pas. Mais je pense que quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de moi. S'il n'était pas content de moi, j'allais avoir honte sur Facebook là ici. C'est-à-dire, Alpha Condé allait mourir au pouvoir. Ça allait être la plus grosse honte que je n'ai jamais eue. Mais ça a coïncidé, c'est pas moi. Ça a coïncidé que je partais dans ce sens. Et il s'est passé ce qui s'est passé.
Et revenant au colis, monsieur qui n'aime pas que je dise le colis, en revenant au colis, nous allons prier pour lui tous les jours. C'est cela aussi l'islam. Pour qu'il ait longue vie, pour qu'il ait meilleure santé, ce n'est pas par amour pour lui, pour qu'on puisse le juger. Pour qu'il puisse répondre et que les responsabilités de tout un chacun soient situées dans toutes ses affaires. Parce que, attention, le colis, monsieur qui n'aime pas le mot colis, le colis emballé, bien emballé, sera emballé où qu'il soit, où qu'il parte, il reviendra parce que c'est un colis. Il va revenir, Inch'Allah, et s'il n'a pas longue vie, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas parce que les gens ont peur ou quoi que ce soit va arriver. On l'a attrapé comme un chiot, monsieur qui n'est pas content, et rien ne s'est passé. S'il meurt, il est vieux. S'il meurt, il n'est pas en bonne santé, tout le monde le sait. Mais ça ne sera pas bon pour notre justice. Parce que peut-être qu'il est accusé à tort, c'est un accusé, il doit se défendre et il doit avoir de bons avocats. C'est comme ça que cela se passe. Donc nous revenons à M. Dadis pour son discours. Voilà, il est très très content. Il a validé le colonel et le pouvoir du colonel, chef suprême, suprême des armées, tout ce que vous savez, il l'a dit 3 ou 4 fois dans un discours de moins de 10 minutes. C'est très bien, c'est-à-dire il valide et confirme le pouvoir. Les gens qui vont dire que Dadis est venu avec telle ou telle idée, Dadis va venir avec quelle idée? Logiquement, les illusionnistes, les vendeurs de rêves, Dadis peut venir avec quelle mauvaise intention dans ce pays-là? Lui-même se cherche, lui-même cherche à s'en sortir, lui-même cherche il veut que le peuple sache ce qui a été sa responsabilité dans tout ce qu'on lui a reproché. Il se rend à la justice. Il dit qu'il a toujours été à la disposition de la justice et qu'il est prêt à répondre aux questions. Il est là. En parlant, on se rend compte que le dossier de ce 28 septembre lui tient vraiment à cœur. Et c'est une très très bonne chose. Comme moi je le dis, moi ce dossier du 28 septembre et tout ce qui s'est passé pendant ces 10, 11, 12 ans m'intéresse énormément. Parce que ça s'est passé en mon temps. Il y a des images, il y a des écrits, il y a des deals. Je ne vais pas me mettre sur un terrain qui a été des choses qui se sont passées. J'étais même pas née. Qui sont plus vieux que moi et le colonel. Je n'ai pas ce savoir. Je préfère faire très très attention parce que c'est très très délicat. Donc, il a encore dans son discours mis Dieu en avant. J'ai apprécié. C'était émouvant. C'était touchant. Ça, c'est bien. C'est ce que vos hommes politiques ne font pas. C'est le complexe-là qu'ils ont. C'est ce complexe-là que tous les musulmans, ils ont en général. Qu'ils soient musulmans ou non, mais il a encore mis Dieu en avant. Il remercie le Seigneur des mondes. Non. Dadis, il m'a tué. Wallahi. Qu'Allah lui donne longue vie. Qu'Allah le sorte de ces moments difficiles. Il l'a mis en avant. Il a mis Dieu et Allah en avant. Que Allah le mette en avant. Que Allah le guide. Que Allah montre à l'humanité, qu'il montre à tout le monde, quiconque me met en avant, je te mettrai en avant, Inch'Allah. Donc, il est prêt. Il est prêt à répondre. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Quelle mauvaise intention il peut avoir? Nous devons seulement être vigilants et dire aux gens que nous, on tient Dadis à l'œil, on tient à sa sécurité. Parce que comme il vient d'une ethnie, peut-être minoritaire, eux que les gens ne considèrent pas, parce que c'est ça la vérité, ils vont vouloir faire n'importe quoi. Ils ne vont pas lui faire n'importe quoi. Comme vous dites que la Guinée est une famille, c'est dans ces circonstances qu'on va se rendre compte si ce n'est pas une famille lâche, hypocrite, et une famille désordonnée et désorganisée, une famille en voie de décomposition. Quand ça tombe sur elle, vous courez, vous partez là-bas. Quand ça tombe sur celui-là, Nyalo, moi j'ai couru, je suis parti là-bas, à peu près un an. Ça tombe sur Dadis, je vais venir ici. Ça tombe sur quelqu'un d'autre, je vais là-bas. C'est ce qu'on appelle famille. Mais quand c'est sur Dadis, s'il est guerzé, c'est les guerzés qui le soutiennent. Quand ça tombe sur Seloudalé, comme il est peul, les peuls vont là-bas. Quand ça tombe sur Baïdi, comme il est soussou, les soussous courent là-bas. Ça, c'est de la lâcheté et de l'hypocrisie. Quand ça tombe sur Sekouba, les malinqués courent là-bas. Ça, c'est une famille. Mais l'islam n'a pas été assimilé. Oui, c'est cela aussi l'islam. Monsieur qui n'est pas content pour le colis, c'est ça l'islam aussi. Le colis n'était pas comme ça, parce que c'était un satanique, un iblistique.
Et il faut regarder toutes les personnes qui sont en train de parler, de courir à gauche, à droite pour libérer le colis, leur look, leur style, comment ils sont. Il faut commencer à conseiller ceux-là de changer leur style vestimentaire. L'habit ne fait pas le moine, on reconnaît les oiseaux par leur plumage. Porter ça en 2021 en Occident, mon frère, c'est un pouvoir, tu ne peux pas imaginer. Donc je vais dire tout ce que j'ai envie de dire avec l'habit là. Celui qui n'est pas content, tu ne me partages pas, tu ne me regardes pas. Mais je prierai Dieu de faire en sorte que j'aille du côté qui sera mieux. Tout ce que j'avais à défendre, qu'il fasse en sorte que le côté la gagne. Donc, il ne va pas m'amener du mauvais côté. C'est ça le plus important. Maintenant, dans l'avenir, vous allez commencer à frapper vos femmes. Il faut être comme Marie Sissoko. Mais ça sera trop tard, Inch'Allah. Je suis en avance. Ça, c'est Allah qui veut ça. Parce qu'il m'aime. Et moi aussi, je l'aime. C'est ce que Dadis veut vous montrer. Que là où il est là, c'est Dieu. Un Burkinabé lui a interdit son pays de naissance, son pays d'origine. Un Burkinabé. Et lui, il s'est retrouvé chez le Burkina. Chez le Burkinabé. Vous avez vu? À cause de votre ethnicité, vous les Guinéens. Parce que tout ça, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas d'un forestier au pouvoir. Pourquoi? Mais même s'il est catholique, la majorité, elle est musulmane. Faites en sorte qu'il devienne musulman. Vous n'avez pas besoin de le frapper. Votre façon de faire, vos invocations, vos prières, puisque déjà à la base il est croyant. Dadis est très croyant. Parce que quand il a pris le pouvoir, il avait fait jurer les gens encore sur la Bible et le Coran. Ça c'est être croyant. Tu ne peux ne pas être pratiquant. Tu peux ne pas avoir la sincérité et la certitude dans la foi. Comme ceux qui ont dissocié le pouvoir de la politique. Mais en même temps, c'est les mêmes qui disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Mais on ne peut pas mettre la politique dans... Vous allez voir les prochaines élections. Il y aura beaucoup de surprises. Énormément de surprises, Inch'Allah. Vous allez comprendre c'est quoi la vie. Donc, il dit que seule la justice élève une nation. Seule la justice peut élever une nation. Oui, et il a parfaitement raison. Nous sommes toujours en train de parler de justice. Et cette fois-ci, nous avons une occasion incroyable. C'est pourquoi je vous ai dit, ne vous dispersez pas telle ou telle ou telle chose. Non, il faut se concentrer sur une ligne. Savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Cette histoire du 28 septembre, Dieu a fait, Allah a fait que la majorité des concernés sont là. Les images sont là. Et apparemment, ils sont prêts. Donc, c'est une bonne chose. Nous devons les soutenir spirituellement, moralement, dans nos prières. Et dans tout ce que vous pouvez faire, on les soutient comme ça. Dadis a besoin de notre soutien psychologique et moral. Quand il est venu, les gens ont eu une bonne impression au début. Oui, une bonne impression au début. Peut-être c'est pourquoi il demande pardon. Il a échoué. Il a eu une mission qu'il n'a pas pu accomplir. C'est pourquoi j'ai mis le feu président Conté. C'est la même chose. Tous des militaires qui ont eu une mission, qui ont été mal entourés. Mais pourquoi tous nos présidents sont toujours mal entourés? La bonne question. Pourquoi ils sont toujours mal entourés? Quelle que soit leur bonne intention. Et nous, le peuple, qu'est-ce que nous faisons? En général, on se positionne ethniquement. C'est ce qu'on fait en général. Chacun profite, chacun positionne son ethnie. Donc, chaque ethnie autour est en train de positionner sa propre personne et son ethnie. Ça affaiblit la personne. Celui qui est au pouvoir, ça l'affaiblit. C'est ce qui se passe en général. Donc, le feu président Conté, c'était la même mission. Lui, il a fait aussi ce qu'il pouvait. Nous savons ce qui se passe avec son entourage. Même scénario à chaque fois. Mais il a pu bricoler pendant 23 ans. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, je crois qu'il est décédé. Je crois, si je le meurs, me souviens, parce que j'étais déjà en France, et je vous rappelle qu'à ce moment-là, moi, je manifestais à Paris contre lui. Et nous étions, je vous rappelle, nous étions à ce moment-là avec M. Sorel Keta, qui est de la CNTG ou quoi là, à ce moment-là en France. Nous faisions cela et il est mort entre-temps. Mais je crois bien qu'il est décédé un 22 décembre, si je ne me trompe pas, mais c'était en décembre. Si jamais Dadis revient en Guinée encore le 22 décembre, c'est une coïncidence spirituelle incroyable.
C'est Allah qui est en train de travailler. Comme Marie Sissoko vous dit ça tous les jours, vous ne comprenez pas. Dadis est venu vous dire. C'est ça que Dadis est en train de vous dire. De revenir à Dieu. C'est ça qu'il vous dit. Comme vous refusez de comprendre. C'est ça qu'il vous montre là. Ce qu'il a fait, c'est très symbolique. Ce n'est pas anodin. Et c'est très important. Ce n'est pas de la folie. Ceux qui ont pris ça pour de la folie, c'est vous qui êtes fous. C'est vous les vrais fous. Et tous ceux qui ont pris ce geste-là en négatif, c'est vous spirituellement qui mettez ce pays-là en retard. Il est en train de demander pardon s'il vous a fait du mal aux catholiques, aux musulmans, si jamais. Il n'est pas allé au bout de sa mission. Il a échoué en quelque sorte. Comment peut-il se racheter? Qu'Allah lui donne longue vie, qu'il le guide, qu'il continue à le protéger, puisque au moins lui, il croit en Dieu, c'est très important. Contrairement au colis qui ne croit pas en Dieu et qui nous l'avait montré, ce n'était pas caché. Ce monsieur et Dieu étaient en sens inverse, sens interdit. Voilà. Donc, Dadis appelle, il remercie le Burkina, il remercie le peuple de Guinée, il remercie le peuple burkinabé, il remercie le CNRD, il remercie le président du CNRD et il le souhaite qu'il puisse faire sa mission noble, tranquillement. Il lui souhaite cela et la cohésion sociale, la paix, l'unité nationale, toutes ces bonnes choses, il souhaite cela, il veut que cela arrive. Inch'Allah, il veut que cela arrive et que tout le monde soit derrière le CNRD, que tout le monde soutienne le CNRD. C'est ce qu'il vous dit. Et je suis d'accord avec lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu protège Dadis. Qu'il l'élève au rang qu'il mérite. Il a mis Dieu en avant. Il a mis Allah en avant. Bravo et merci à lui. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié parce que c'est ce que moi, j'attends régulièrement. Il y a très rarement les hommes politiques qui disent dans leur discours Dieu ou Allah. Très, 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 très rarement. C'est dommage. C'est ça, je ne comprends pas cela pour un musulman. C'est hypocrite, c'est lâche. Voilà, c'est lâche. Je crois qu'il y a une partie du Coran. Ils font semblant d'être avec nous quand on est avec eux. Quand on tourne le dos, ils se moquent de nous. Un truc comme ça. Ça, c'est lâche. Moi, je ne peux pas prier ici 5 fois par jour. Je viens m'asseoir devant vous décaper avec des faux cheveux. Ça veut dire que déjà, que ce que Dieu m'a donné, je ne veux pas de ça. Et comme moi, je n'aime pas ce qu'il m'a donné, mes cheveux crépus, là, j'ai couvert. Mon teint, là, pas très clair, je couvre. Mais ça dérange les gens. Parce que c'est un teint effacé. C'est Iblis qui vous trompe. Mais Iblis, moi, lui et moi, je n'ai pas peur de lui. Moi, j'ai échappé. Je vais faire en sorte que le maximum échappe. Inch'Allah. Mais vous n'allez pas aimer ça. Mais ça va arriver. Ça va vous dépasser. Donc, Dadis dit que la mission n'est pas impossible. Elle est difficile, mais elle n'est pas impossible. Oui, elle est difficile. Pour lui, ça n'a pas été possible. Mais il souhaite que ce ne soit pas impossible pour le colonel. Il lui souhaite du bien. Maintenant, ceux qui vont venir dire que oui, Dadis est venu. Non, 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 Dadis n'a aucune intention. Je ne crois pas. En tout cas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vu sa situation. Et en même temps, c'est un ancien président. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il a droit à une immunité. Il a droit à certaines faveurs, je crois bien. Hein? Il faut respecter ses droits. Si le colis a le droit, ce tiblistique, ce pédé a le droit d'avoir des soins, a le droit d'être bien tenu, je pense que Dadis est mieux que celui-là. Il doit être bien tenu. Il doit avoir de la considération. Il ne doit pas se sentir rejeté. Ça ne veut pas dire qu'il va se jeter dans la vie politique. Je le déconseille. Je le conseille de rester dans son coin, d'être juste et équitable, de se mettre à la place du colonel, de se mettre à sa propre place, et que le colonel aussi se mette à la place de Dadis, se mette à sa propre place, parce qu'on ne sait jamais. Dadis était là où il est. Aujourd'hui, c'est la vie. Tout ça, c'est des exemples pour vous et moi, pour eux aussi, pour tout le monde. Ce qui se passe en Guinée, c'est fantastique. Fantastique, c'est incroyable. C'est une leçon de vie pour tout le monde. Que la vie d'un être humain peut balancer d'une seconde à l'autre. Et que aussi, un être humain ne peut pas mourir sans, si ce n'est pas le jour de sa mort. Ça, c'est l'exemple de Dadis. Et il est revenu. Il est revenu chez lui. Oui, c'est la Guinée chez lui. Donc, il est la bienvenue.
Et il a besoin, rien que le soutien mental, quand il faisait ses daddy shows, quand il dénonçait, beaucoup de personnes étaient contentes. Beaucoup de personnes étaient... attendez, les gens, ça les arrangeait que Dadis dénonce. Voilà, donc c'est le même Dadis. Voilà, ça fait 12 ans. Il a le même physique, il n'a pas vieilli, il n'a pas grossi, il garde la vie, c'est très très bien, voilà. Donc c'est une très très bonne chose. Moi je suis très contente pour lui, je suis contente pour la Guinée, que nous vivons cette expérience incroyable que seul le Créateur puisse nous donner, c'est lui seul qui peut faire ça, parce que nous n'avons pas planifié tout ce qui se passe aujourd'hui. Si Dadis a fait des mauvaises choses, ben, la justice sera là pour ça. La justice divine aussi est là. Parce que s'il mourait à Stafourlaï, qui allait répondre? Qui allait le défendre? Même si on le défend à son insu. Mais aujourd'hui, il va se défendre lui-même. Il va dire ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Et il va passer sa petite vie tranquille, libre. Tout cela est fantastique. Nous n'allons pas toujours être là, aller sur les tombes des présidents qui sont morts. On ment sur eux, on dit la vérité. Ils ont tué, s'ils ont fait ça. Allah seul sait la vérité. Dadis dira que ce soit 28 septembre ou autre chose, ce qu'il sait sur toutes ces histoires et aussi ce qu'il a remarqué pendant les 12 ans en regardant la Guinée à distance. Il faut comprendre une chose. Ce monsieur-là a vécu quelque chose de très très difficile. Moi, je me mets à sa place. C'est ce que je vous dis. C'est ça le gros souci des Guinéens. Moi, je me mets à la place de Dadis. Il s'est passé ce qui s'est passé. Tout le monde sait les coulisses. C'est eux qui savent entre eux et c'est Allah qui sait. Maintenant, tu es hors de ton pays. Quelqu'un qui n'a pas... Parce que si on parle de Guinéenneté, on parle de pourcentage, c'est le alpha qui est guinéen. C'est lui qui est né en Guinée. Son papa n'est pas né en Guinée. Mais Dadis, son papa, son arrière-grand-père et tout ce que vous savez, sont nés là. Donc Dadis est beaucoup plus guinéen que alpha. Dadis regarde le colis de loin. Lui, il est au Burkina. Il vit une injustice, quoi qu'il en soit. Parce que la moindre des choses... C'était de le laisser faire des va-et-vient quand il en a envie et de le juger, pourquoi pas. C'est ce qui est un peu bizarre. Le monsieur là, il est impuissant. Face à toute cette situation, il ne peut rien faire. Il attend. Il a attendu quand même 12 ans. Il a attendu 12 ans sans, à ce que je sache, je ne suis peut-être pas bien informée, sans créer des mauvais trucs pour attaquer la Guinée, pour mettre... il s'est mis à l'écart, il s'est mis à sa place. Ça, c'est la foi qui peut faire ça. Tu attends. J'attends. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Peut-être j'attends jusqu'à la mort d'Alpha Condé. Mais il n'est pas mort. Le colis n'est pas mort. C'est fantastique. Dadis est là. Lui, il est vivant. Il est en bonne santé. Il attend. Voilà. Donc, il a besoin d'un petit soutien. Il n'a pas besoin qu'on le rejette. Il n'a pas besoin qu'on le critique, comme certaines personnes le disent. Si Dadis est fou, c'est parce que la majorité de la population est folle. C'est ça. Nous avons, je vais le dire, ça c'est le travail de vos religieux. Et s'ils avaient joué sur ça, sur ceux qui ne sont pas contents avec mes vidéos, si vos religieux... était toujours là à vous dire que chaque peuple a le chef qu'il mérite. Nous, le peuple, nous, la population, on se serait posé des questions aujourd'hui pour se dire individuellement, mais alors ça veut dire que moi, je fais quelque chose qui n'est pas bien, je dois changer. Et c'est ce que je vous ai dit depuis le 5 septembre. Qu'est-ce que vous avez changé dans vos vies depuis le 5 septembre? Pas grand-chose. Mais Dadis, lui, il a changé, je crois. Parce que ce qu'il a vécu en 12 ans, là, si vous vivez ça, vous allez comprendre. S'il est fou ou s'il est fort, il faut avoir un mental costaud pour vivre ce qu'il a vécu et être comme il est aujourd'hui. Ça, c'est un mental costaud. Parce que lui, il est parti de la Guinée. Il n'est pas parti de la Guinée comme Sékouba Konaté qui a eu le temps de voler, qui a eu le temps de mélanger tout ce qu'il a mélangé. Lui, il est parti sans bagage, sans dire au revoir. Parce que comme il est parti, on sait, il est parti en tant que malade. Ça, c'est très, très différent. Donc, s'il était parti comme Sékouba Konaté est parti, il allait peut-être partir avec beaucoup d'argent. Et il allait mieux vivre. Mais je ne pense pas que lui, il ait eu cette occasion. Et ça, c'est une chance pour lui. Voilà, c'est une chance pour lui parce qu'au moins ce côté-là, on ne le lui reproche pas. C'est très, très bien. Donc, voilà. Dadis, c'est ça, en gros. C'est ce qu'il faut faire. Il faut le soutenir comme on peut. Voilà, que ce soit dans les publications,
Et les gens qui écrivent des bêtises, qui passent tout leur temps à écrire des bêtises dans les groupes, quand tu passes dans les groupes, oh, Daddy, c'est fou, Daddy, ce n'est pas complètement guéri, oh, c'est comme ci, oh, que c'est comme ça. Mais ce Daddy-là, il est mieux que votre colis. Aller-retour, ils ne sont même pas pareils. Quand on parle de guinéité, il est mieux que lui. Quand on parle d'exploit, il est mieux que lui. Il est plus jeune que lui et il est très intelligent, il est éloquent. Certes, il dépassait quelquefois les bornes. Ça, c'est sa personnalité. Il paraît que c'est quelqu'un qui ne passait pas par quatre chemins. Il dit ce qu'il a envie de dire. Mais quand on est chef, ce n'est pas compris très bien par tout le monde. Il faut faire très, très attention à quoi dire parce que là, on est président de la République, mais peut-être il n'a pas été préparé à cela. Si aujourd'hui, on voit le colonel Mamadi Doumbouya, lui, il est de cette façon, ben, il essaye d'éviter, il a des exemples. Le premier exemple, c'est Dadis. Voilà, lui, il a cet exemple. Dadis, lui, n'a pas eu d'exemple. Lui, c'est son premier exemple. Son deuxième exemple, c'est Konaté. Donc, tout ça, là, va en faveur du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, il faut pas perdre de vue ces petits facteurs-là qui l'arrangent, lui. Donc, et le dire merci en même temps, parce que il n'était pas obligé de faire en sorte que tout cela soit en Guinée maintenant. Il a le temps. Il allait peut-être attendre 6 mois ou 1 an, mais au bout de 3 mois, ils sont tous là. C'est une très, très bonne chose. C'est Allah qui peut faire ça. Donc, nous devons les soutenir tous comme on peut pour que tout se passe très bien et ne pas oublier le colis dans nos prières pour qu'il ait longue vie, vraiment, pour qu'il ait longue vie, pour qu'il le réponde, pour qu'il puisse se défendre, lui et ses avocats, et que certaines choses, qu'il y ait une petite justice pour certaines personnes, parce que ça fait un moment qu'on demande justice, justice pour beaucoup de choses, ça sera un grand pas pour notre histoire, pour la cohésion sociale, pour la paix dans notre pays. C'est très, très important. Voilà. Et puis, il y avait quoi d'autre à dire? Le feu président Conté, qu'est-ce que nous allons signaler de son côté pour ses 13 ans? On sait que El Hadj Sellou Dalein Diallo, ils étaient très très proches, ils étaient très très amis. C'est l'un des rares d'ailleurs qui va régulièrement à cet anniversaire, tous les 22 décembre, il y va. C'est une très très bonne chose. Souvent ça passe inaperçu. Voilà. Et quand je vois que, je suis désolée de dire ça, que c'est certaines personnes de cette communauté qui étaient là à marcher à gauche, à droite pour bloquer le monsieur parce qu'il est peul. Mais vous oubliez qu'il a travaillé avec ce monsieur. Et il y a des gens, même de cette communauté, qui disent que oui, le feu président Conté avait maudit. Et là, c'est Sellou Dalein Diallo, je ris, quoi. Mais si moi, je reviens en arrière, supposons que El Hadj Sellou Dalein Diallo n'avait pas travaillé avec le feu président Conté. Vous pensez que tout ce qu'on nous reproche aujourd'hui, on allait nous reprocher cela? C'est pourquoi dans la vie, il faut être patient. Il faut être très, très patient. Oui. Ça, c'est des facteurs aussi qu'il faut voir. Le président Conté, quand il est venu, c'était fermé. Moi, j'ai vécu ce moment-là. Nous avons vécu son moment que nos parents n'ont pas vécu. C'était vraiment fermé. La Guinée était vraiment, vraiment, vraiment fermée. C'est ça la vérité. Et il a ouvert le pays. Après, peut-être que ça a été trop, trop ouvert, qu'il y a eu un libertinage. Ce n'était plus la liberté, c'était le libertinage parce que nous n'étions pas habitués à cela. Et on a un peu abusé, je crois. Et on a abusé aussi de lui. Certes, il n'a pas fait l'unanimité comme tous les présidents. Moi, je le dis régulièrement, pour l'instant, nous sommes en train de voir pour le colonel. C'est une transition. Moi, pour moi, le feu président Conté jusqu'au colis, on met d'abord le colonel un peu en stand-by. La Guinée n'a pas eu de bon président. Ça, c'est moi, c'est mon point de vue, c'est personnel et ça me regarde. Et j'espère qu'une femme à Ilbaba a le droit de dire ça. Oui. Je crois, hein, mon frère qui n'est pas content là. Ah, aujourd'hui, là, je vais faire mon direct sur toi, hein. C'est comme ça. Des... Donc, je pense que la Guinée n'a jamais eu de bon président. Si la Guinée avait vraiment eu un bon président, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, on peut quand même manger à notre faim. C'est le minimum qu'on puisse faire pour un pays comme la Guinée. Parce que l'eau, l'électricité, oui, tout ça, ça sera des trucs importés. C'est ça, d'autres civilisations. Mais manger quand même, on a la pluie qui est naturelle, on a des terres fertiles que Allah lui-même nous a données. Donc, cultiver là et pouvoir manger, c'est le minimum. Aucun d'eux n'a réussi à le faire. Et chacun d'eux a gouverné au moins plus de 5 ans. Donc, ça, c'était des trucs. L'avantage était que nous avions eu beaucoup de liberté pour faire autant de feu président Conté. Nous avons eu l'avantage d'avoir beaucoup de liberté, de pouvoir faire beaucoup de choses qu'on a exagérées.
tout ethnie confondu, tout bord politique confondu, même la population qu'on a complètement exagérée, qu'on a fait la débandade, c'était vraiment le libertinage. Et c'est quelqu'un qui gouvernait d'une certaine façon, comme peut-être un chef de village, qui faisait comme si c'était une forme de famille. Voilà, quand ça ne va pas, on règle ça à une certaine manière que lui, il avait. C'était particulier, c'était spécial, mais ça a fait en sorte que nous avons bricolé notre cohésion sociale, que le côté ethnique ne se ressentait pas trop, même si ça existait, mais lui, il avait sa méthode à lui, et il avait sa femme aussi qui s'impliquait politiquement à sa manière, qui jouait à la maman qui avait ce rôle, qui nous a manqué pendant le... Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut le reconnaître. Ce côté nous a manqué pendant le règne du Koli. Guénée Kaba ne jouait pas ce rôle. Elle n'existait quasiment pas. On le comprend, parce que c'était un mariage bricolé. Mais je pense qu'elle devait rester dans ce cadre jusqu'à aujourd'hui. Le fait de son drapeau unique de Cancan a tout gâché. Donc, quelquefois, il vaut mieux rester un peu à l'écart et garder sa petite discrétion tranquille pour rester d'une certaine manière dans l'histoire que de vouloir arranger un côté. Et aujourd'hui, la timidité et le calme de Guénée Kaba et sa discrétion qu'elle avait, cette histoire de Cancan a tout gâché. Une seule phrase, une seule journée a gâché sa discrétion et son petit recul. Déjà, elle faisait pitié aux gens, l'injustice qu'elle subissait. Depuis ce jour-là, nous avons vu une autre image d'elle. Certes, Ariette Conté, elle avait certainement ses défauts, hein, ça c'est clair, mais elle avait ce petit côté d'arrangement, elle avait ce petit côté de réconciliation, de temps en temps, qui c'était même pas de temps en temps, ça jouait beaucoup, ça aidait beaucoup la politique, ça aidait beaucoup les Guinéens à garder ce petit semblant de famille. Mais malheureusement, on a vu comment cette famille a été décimée, comme cette famille a fini. Malheureusement, c'est comme ça la Guinée. Donc si nous voyons Dadis aujourd'hui, le colonel doit réfléchir à cela. Si nous voyons le Koli aujourd'hui, tout le monde doit réfléchir à cela, vous et moi, que un être humain, ta vie ne tient qu'à un fil, ta situation ne tient qu'à un fil. Un petit truc tout simple, et cela, aucun être humain n'a cette possibilité à part Allah, à part Dieu. C'est ce que Dadis a compris et que certaines personnes n'ont pas compris. Voilà, c'est très très important. Il croit en Dieu, il se confie à lui. Oui, il se confie à lui et Dieu va l'aider, Dieu va le guider, Dieu va le sauver. Que Dieu le sauve, que Dieu le guide. On sait aussi que le feu président Conté aimait beaucoup parler de Dieu. À un moment donné, les Français se moquaient de lui. On l'appelait le fils de Dieu. Parce qu'il disait toujours, moi, c'est Dieu qui m'a mis là, c'est Dieu qui va m'enlever. Il mettait beaucoup Dieu dans ses... il parlait beaucoup de ça. Voilà, certes, ils ont tous leurs trucs qu'ils font à gauche, à droite, mais ils parlaient beaucoup de ça. Et nous allons le signaler. Donc, ce sont des gens qui ont fait partie de notre histoire. Le Koli a fait partie de notre histoire. Dadis, monsieur Dadis Camara, fait partie de notre histoire. Monsieur Sekouba Konaté a fait partie de notre histoire. Monsieur Ahmed Sékou Touré, feu Ahmed Sékou Touré, a fait partie de notre histoire parce qu'on les méritait, c'est ce qu'on méritait. Le jour que vous mériterez mieux ou pire, vous l'aurez. Le jour que vous changerez, les choses vont changer. Si vous ne changez pas, ça ne changera pas. Et le changement, il faut que ce soit individuel pour que ce soit collectif. Si ce n'est pas individuel, ça ne sera pas collectif. Les gens se disent, même c'est pour les détournements, si je ne bouffe pas, l'autre va bouffer. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, ne bouffe pas. Il faut te dire, ah, si je ne bouffe pas et si je ne détourne pas, donc l'autre aussi ne détournera pas. C'est comme ça qu'on fait les choses, pour pouvoir bien faire. Mais ne te dis pas, oh, moi, je ne vais pas le faire, ils vont le faire. Comme moi, je vais me dire, ah, tout à l'heure, vous êtes monté ici jusqu'à 400 et quelques, vous n'êtes pas arrivé à 500. Je me dis, ah non, 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 ah, ils n'aiment pas ma robe là. Soit j'arrête de parler de politique, soit j'arrête de m'habiller de cette façon. C'est les deux choix que j'ai. Voilà. Pour eux. Mais non, je vais garder ce style vestimentaire. Je vais parler des sujets que j'ai envie de parler. Voilà. Ça, je vais le dire en tant que croyante que c'est Allah qui fait ça. C'est lui qui veut. Le jour qu'il ne voudra pas, c'est lui seul qui peut faire ça. C'est ça. C'est à cause de l'islam. Ma vie qui a changé, que je porte le voile, que j'ai cru que Allah peut faire des miracles. Je suis un miracle. Mes connaissances le savent. Un de deux. L'un des miracles
que le colis finisse comment il a fini aujourd'hui, qu'on l'attrape un beau matin de cette manière, ça c'est un miracle. Que ce processus, tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, même politiquement, je me dis que n'importe qui peut devenir président. N'importe qui. Ça c'est la foi, la sincérité et la certitude qui fait cela. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous tous, politiquement, ethniquement, socialement, religieusement, il faut tout revoir dans vos vies, tout revoir. Tout peut arriver, mes frères et sœurs. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu dans vos vies et dans ma vie. Rien. Allah, quand on dit Allah est au contrôle, les fausses publications, il est vraiment au contrôle. Mais est-ce qu'il est dans ta vie? Je ne crois pas. S'il était dans la vie de la majorité des Guinéens, nous n'allions pas avoir cette ethnicité avec 90% ou 95% de musulmans. On n'allait pas être dans cette situation aujourd'hui. Avec tout ce qu'il a donné à ce pays-là. Tout ce qu'il a donné. L'échec, l'un des échecs du Guinéen, par exemple, au bout de 60 ans, nos parents et nous, c'est le même discours. Tu parles avec quelqu'un, moi je ne comprends pas. La Guinée, on a tout. On a l'or, on a le diamant, mais on souffre. Je ne comprends pas ces discours. Pendant 60 ans, tes parents ont tenu le même discours, tu tiens le même discours. Toi, tu ne peux pas avoir la présence d'esprit avec Internet aujourd'hui. Qu'il y a des gens qui vivent mieux que cette Guinée-là, qui n'ont pas cet or, qui n'ont pas ce diamant, qui n'ont pas les richesses du sous-sol. Si la majeure partie des Guinéens n'ont pas cette faculté mentale, on n'est pas sorti de l'auberge. Je ne dis pas que les ressources du sous-sol ne vont rien apporter à la Guinée. Je n'ai pas dit ça. Mais je veux voir ça aussi. Je suis curieuse seulement. Parce que ce que tu as fait 60 ans, ça ne t'a rien apporté. Et ça détruit l'environnement. Tu n'as pas la présence d'esprit que celui qui a créé ça, peut-être qu'il n'est pas content de cette destruction. Ça, c'est le travail de vos religieux. L'écologie, les ressources naturelles, expliquer ça à la population. Pourquoi c'est là? Ça, c'est le maquillage d'Allah. Pour rendre beau, on peut un peu utiliser sans exagérer. Mais au bout de 60 ans, la CBG, il n'y a même pas d'électricité à Bouké. Il n'y a pas d'électricité à Kamsar village. Mais tu vas parler avec quelqu'un de Bouké, il va te parler de ces ressources-là encore. Il ne peut pas te dire que même les palmistes, les palmiers qui sont là, là, l'acajou qui est dans Bouké, ça peut développer la zone-là. Une seule région naturelle, une seule peut nourrir toute la Guinée. Une seule. Mais est-ce que l'âme de la population réclame cela? Non. L'âme de la population est redirigée vers autre chose. Le jour que nos âmes vont comprendre cela, ça va se répercuter sur nos dirigeants. Ils vont se dire, ah, il est mou, c'est le moment. Voilà. Ça, c'est un premier facteur. L'autre deuxième facteur, c'est toujours dans nos bouches. Non, on ne veut pas la guerre. Non, on ne veut pas la guerre. On ne veut pas être comme le Libéria et la Sierra Leone. On ne veut pas être comme le Rwanda. Mais le même Guinéen veut un Kagame. Mais il critique Mamadi Doumbouya. Que parce que le jour du coup, là, il y a eu des morts. Tu sais, Kagame a tué combien de personnes? Hein? Pour qu'il arrive là, pour qu'on l'applaudisse. C'est-à-dire, les gens ne savent même pas ce qu'ils veulent. C'est ce qui est triste. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont... Il faut être guidé par le meilleur des guides, Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens dessus sur les polygames. Mais c'est quatre femmes. Et prendre l'exemple sur notre bien-aimé, Père Salut sur le prophète. Ce n'est pas affaire de femmes, mais ses exploits. Par exemple, il a donné une partie de sa mosquée aux chrétiens, aux catholiques pour prier. Vous pouvez faire ça en Guinée. Non, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez critiquer les catholiques. Mais les catholiques aussi disent que vous n'êtes pas gentil avec vos femmes. Vous avez beaucoup de femmes, vous ne les entretenez pas bien. Et ils ont raison. Oui, vous donnez une très mauvaise image de l'islam. Mais vous avez la bouche pour dire pour moi. Et ce que j'ai dit là, c'est moi qui peux dire ça, Inch'Allah. Oui, parce que c'est moi qui peux voir ça. Parce que Allah veut que ce soit moi, que ce soit une femme. Mm-hmm. Parce que c'est cette femme-là qui a été proche de lui. C'est cette femme-là qui l'a appelé. Pour le colis, je l'ai appelé pendant un an. Toutes les nuits. En tant que femme, je l'ai fait.
Je n'ai pas fait pour autre chose. J'ai dit que je veux que l'islam triomphe. C'est ça que moi je veux. Mais vous préférez que moi je ne dise pas cela? Ça fait combien d'années que vos imams parlent? Le rôle d'un imam, c'est cela. Que l'islam, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de musulmans dit. C'est Iblis qui a parié sur le chiffre qu'il va emporter le maximum de personnes en enfer. Ça, c'est Iblis. Allah dit que ses meilleurs éléments n'iront pas avec lui. Moi, je veux faire partie de ces meilleurs éléments-là. Donc, à quoi ça sert que les musulmans soient la plus grande communauté au monde? Ils sont en train de parier sur Iblis ou quoi? Tandis que Allah veut la qualité. Que moi, dans l'avenir, dans 2, 3, 4, 5 ans, 20 ans, que les gens se disent, hey, il y avait une dame là, elle avait dit ça, ça s'est réalisé. Je veux être comme elle, dans le sens islamique. Mais il faut que moi, je me sacrifie. Parce que là, moi, je me sacrifie. Ceux qui ne comprennent pas, ils disent des sottises, que je donne une mauvaise image de l'islam. Mais les autres qui sont dénudés sont musulmans. Allah ne donne pas une mauvaise. Vous voyez comment vous êtes injuste et lâche? Ça, c'est la lâcheté. Vous pouvez leur dire de la même manière de s'accepter depuis le temps. Ou bien, vous pouvez faire des campagnes dans les marchés, dire aux musulmans qui vendent les produits éclaircissants de ne pas le faire. N'importe qui peut le faire, cela. Tu vends le produit éclaircissant, tu as la musique de l'autre côté et tu as le Coran. Mais le Coran est en train de te maudire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, ce que Nadis a fait là, lui, il est mieux que celui qui a mémorisé le Coran. Oui. Exactement. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc, il y a beaucoup de facteurs que nous devons changer chez nous-mêmes. De temps en temps, se couper des réseaux sociaux, une heure par jour, ou un, deux, trois jours, parce que ce n'est pas forcément la solution. Parce que ça dépend de ce qui est servi ici. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, c'est tout ça. Je ne sais pas si j'ai oublié certains points. Je vous remercie pour les partages et pour les commentaires. Monsieur qui n'est pas content, j'espère que ta femme est en hijab et qu'elle a mémorisé le Coran, chose que moi, je n'ai pas pu faire parce que je n'ai pas cette intelligence. Mais j'ai quand même l'intelligence de vous rappeler que la solution est vers le Coran. Donc, prenez ce que je vous dis qui est bon dedans. Ce qui n'est pas bon, vous laissez ça. Et celle qui mémorise ou ceux qui mémorisent le Coran, réfléchissez à comment maintenant faire en sorte que cet islam soit un état d'esprit, un style de vie, et ce que j'ai l'habitude de vous dire, que ce soit comme ça. L'enfer, là, ça ne marche plus. Si tu ne fais pas ça, tu vas brûler. Les gens s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. Les gens veulent savoir comment cet islam-là va les faire mieux vivre politiquement, dans le boulot, dans leur foyer, dans la vie de tous les jours. C'est ce que le musulman veut savoir aujourd'hui. Maintenant, la quantité là, c'est pour qui? C'est pour Iblis ou bien c'est pour Allah? C'est ce que les gens, ceux qui me regardent ici là, de temps en temps, appliquent. Et ils se sentent heureux, ils se sentent apaisés, ils se sentent épanouis. Plusieurs personnes appliquent et ça marche. Ça, c'est le travail des religieux. C'est pourquoi le colonel avait dit que les trucs religieux, là, ça n'apporte rien. Ça ne développe pas. Oui, parce que vous ne dites pas ce qu'il faut dire. Quand quelqu'un est malade, comment prier? Quoi faire? Quand on te lance des trucs négatifs, quoi faire? Tu n'as pas besoin de te laver avec quoi que ce soit. Il y a des prières que tu fais que ça guérit. Mais il faut croire à ce que tu fais. C'est ça le gros problème. Il faut croire et être sincère dans ce que tu es en train de dire là. Que lui, il ressente que tu es sincère, il va t'aider. Soit te rediriger vers un bon médecin, soit t'aider autrement. Mais si tu n'es pas sincère dans ce que tu es en train de dire, tu ne fais que répéter ce qu'on t'a dit. Moi qui n'ai pas mémorisé le Coran, je serai mieux que toi. Et c'est là que certaines personnes vont avoir honte. Ça, c'est lui qui peut faire ça. Oui, c'est la dame là. Parce qu'elle m'a appelé. Comme je l'ai dit, pour le colis pendant un an. Je l'ai fait devant tout le monde ici. C'est une coïncidence. C'est Allah qui a fait que ça coïncide. Mais depuis que j'ai découvert, moi, l'islam m'a sauvé, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, c'est l'islam qui va sauver la Guinée. Je n'avais même pas encore tenu un Coran en main. La personne me dit, non, ma soeur, c'est l'islam qui va sauver l'humanité. J'ai dit, non, 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 ça sera la Guinée, parce que moi, ça m'a sauvé, on va appliquer le même système sur la Guinée. Ma soeur, c'est écrit. J'ai dit, ça, c'est écrit, il me dit, oui. J'ai dit, maintenant, pourquoi les gens ont laissé? Ah,
Les gens ont laissé parce qu'ils ne sont pas sincères. À partir de ce moment-là, je pense que c'était en 2007. 2017 ou 2018, je ne me rappelle pas bien. J'ai commencé à prier. Toutes mes prières pour que Allah revienne en Guinée. Toutes les cinq prières, je le fais. Allô? Je suis en direct. Oui. C'est mon oustaz préféré qui m'appelle là. Je vais l'appeler plus tard, Inch'Allah. Il me donne beaucoup de conseils. Depuis ce jour-là, moi, je fais cette prière-là. Toutes mes prières, Allah revient dans ta Guinée. C'est ta Guinée, c'est toi qui l'as créée. Moi, je veux que l'islam triomphe. C'est ce que je fais. Maintenant, si tu viens m'insulter, si nous n'avons pas les mêmes problèmes, mes frères et sœurs, et je n'ai pas 50 000 routes, je peux faire ça en coulisses. Demain, ça se réalise dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans 50 ans. Pourquoi pas? Le jour qu'il voudra accepter, il va accepter. Mais mon nom sera associé à ça. Donc, vous voulez que je fasse ça en coulisses et que je ne vous le dise pas. Je vous le dis parce que les 400 et quelques personnes qui étaient là, il y a 100 personnes qui peuvent faire la même chose que moi, qui ont peut-être le niveau et le degré de foi plus élevé que moi, qui peuvent se dire, ah, moi aussi je fais ça. Donc, c'est vrai. Parce que quand tu dis certaines choses, on te prend pour une folle, comme Dadi, ce qu'il a fait là. On le prend pour un fou. Mais c'est vous qui êtes fou. Là où il était, il sait qu'il a levé là-bas. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a levé là où il était. Donc, il sait c'est qui. Donc, celui-là, là, il va monter et descendre avec lui. Oui. Maintenant, Allah, Allah, Dieu, Dieu, dans la bouche, surtout les femmes, vous ne vous acceptez pas. Vous êtes en train de prier Iblis. Si tu es décapé, c'est moi qui le dis. Ibra produit ça. Tu mets les perruques, tu mets les mèches, tu as les longs ongles, tu as le vernis, tu as les faux ongles, tu as les fossiles. Si tu dis Allah, tu es en train d'appeler Iblis. Si tu pries, tu pries Iblis. C'est moi qui vous le dis. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Il vous aime. Très bien. C'est vous qui ne l'aimez pas. Aimez-le comme il vous aime. Ça, c'est le travail de vos religieux. Ce n'est pas mon travail. Mais comme ils ne le font pas, moi, je vais le faire. Et les femmes, rapprochez-vous de lui. Ce n'est pas la peine de le fuir. Quand vous allez vous rapprocher de lui, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Vous allez avoir beaucoup honte de moi. Inch'Allah. Énormément honte. Je reviens sur cette histoire de guerre que le Guinéen ne veut pas. Tu es injuste, tu mens et tu ne veux pas la guerre. Mais la bonne question que les Guinéens doivent se poser, vous ne voulez pas être comme les libérés, la Sierra Leone, tout ce que vous dites. Mais réfléchissez, pourquoi vous vivez les conséquences de ces guerres? Le Libéria est à peu près au même niveau que la Guinée. Un pays dirigé par un ancien footballeur. Un pays qui a connu à peu près 10 ou 11 ans de guerre. Vous vivez à peu près au même niveau, à peu près. La Sierra Leone, on n'est même pas au même niveau. La Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de comparaison. Le Rwanda, ça, c'est devenu autre chose. Pourquoi nous vivons au même niveau que ces gens-là? Pourquoi? Qu'est-ce que nous, on fait qui n'est pas bon? Ça, c'est le travail de vos religieux. Mais comme ils ne le font pas, moi, je vais le faire. Parce que ce que Dadis a vécu là, j'ai vécu à peu près la même chose. Je n'ai pas eu papa, je n'ai pas eu maman, je n'ai pas eu frère, je n'ai pas eu soeur, je n'ai pas eu mari, je n'ai pas eu enfant pour me sortir de ça. C'est lui qui m'a levé dedans. C'est ça ma façon d'être reconnaissante. Et ça là, je vais le faire tant que Allah le permet. Si j'en ai envie aussi. Donc c'est ça. Le jour que j'aurai une autre route, je vais le faire. Mais je le répète, vous allez avoir énormément honte de moi. Wallah, Inch'Allah, vous allez avoir honte. Et beaucoup de regrets. Les Guinéens vont beaucoup regretter cette histoire de religion-là. Vous allez énormément le regretter. Parce que l'animosité que nous vivons dans ce pays depuis que la Guinée est Guinée, les gens vont le regretter. Dans quelques années, quand ça va changer, quand les femmes seront apaisées, quand les femmes seront contentes. Je vous ai parlé de ce rêve-là. Je vais vous parler de ce rêve-là rapidement. Deux rêves. Il y a un monsieur très pieux, très religieux. Nous étions à Dubaï. Pourquoi je crois à son rêve? Il m'a dit qu'il a fait un rêve sur le colis.
il y a un an et quelques, que le colis était assis sur une escalier, c'est ça, une escalier ou un escalier, l'escalier, ok, le bord à la fin, comme miskine, comme ça, qu'il est venu voir le colis, qu'il a dit, hey, monsieur le président, un président ne s'assoit pas ici, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je l'ai fait rentrer dans la maison. Qu'il a tenu un boubou marocain pour la prière, il a tendu au colis, un boubou beige. Le colis attrapé, il y avait un fil qui pendait sur le boubou marocain. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ok. Il y avait un ok. Comme voilà le boubou marocain, un de mes ilbab, regardez, pour la maison. Comme voilà le boubou marocain, il y avait un fil qui pendait là. Bon, je n'ai pas de fil qui pend dessus. Le colis a tiré le fil là. Que quand le colis a tiré le fil, le boubou marocain s'est fendu en deux. Il me dit, madame, l'affaire de religion du monsieur là, c'est pas propre. Je lui ai dit, monsieur, mon frère, je lui ai dit, le monsieur là n'est pas avec Allah, c'est pas un débat. J'ai dit, votre âme veut l'aider. Votre âme veut l'aider, mais c'est pas possible. J'ai dit, vous le connaissez? Il dit, oui, effectivement, je suis en contact avec lui. J'ai dit, voilà, j'ai dit, votre âme est en train de l'aider spirituellement, islamiquement, mais il n'est pas avec Allah. Le boubou de prière s'est fendu, divisé en deux, comme ça. Il y a un an et quelques. Le même monsieur, très pieux, je lui fais confiance, très religieux, c'est un monsieur Soussou. Je lui fais très confiance. Il me dit, il m'appelle, il m'envoie un vocal qui a une dame qui a rêvé, qui lui fait beaucoup confiance à la dame là. Tous les rêves de la dame là se réalisent, qu'elle est très pieuse. Que la dame a vu la Guinée illuminée. La Guinée a beaucoup changé. Comme on lui disait dans le rêve, il faut que les femmes changent. Il faut que les femmes se couvrent. J'ai déjà parlé de ça ici. J'ai dit, mon monsieur, nous on s'est connu par rapport à l'islam. Il est tombé sur une de mes vidéos islamiques un jour. Je dis, je n'ai pas envie de parler de ce rêve-là parce qu'ils ne vont pas me croire. Il me dit, non. Que ça, ce n'est pas ton problème. Il te croit, il ne te croit pas, ce n'est pas ton problème. Toi, il faut dire que parce que ça va dans ton sens, qu'il faut le dire. Hein? J'ai dit, ok, je vais le dire. Une fois, j'ai parlé de ça. Il n'y a pas 50 000 routes. Si on a délaissé la route là, ça veut dire que on contredit le Coran. Ça, c'est le travail de vos religieux. Tu n'as pas besoin de mémoriser le Coran pour ça. C'est lui qui t'a créé. S'il veut te donner un savoir, une connaissance, il te le donne. C'est moi. Je suis la preuve. Oui, je n'ai pas de loyer dans ma famille. Pas du tout. Les gens même qui me connaissent même, ils comprennent même pas ce qui se passe. Et quand vous voyez la perversité de l'être humain, les gens qui achetaient les mèches avec moi, qui achetaient les produits éclaircissants avec moi, que j'étais leur modèle, aucune d'entre elles n'est voilée. Aucune d'entre elles ne m'appelle aujourd'hui. Oui, vous voyez la mauvaise foi et la mauvaise volonté de l'être humain. Tu as pris les mauvais exemples d'une personne, elle a changé. Normalement, logiquement, tu dois changer aussi. Donc, pour dire qu'elle me partage, nous n'en parlons même pas. Elle ne commente pas mes photos. Elle ne me partage pas. J'ai dit, elle ne m'appelle même pas. Donc, c'est pour vous dire que les gens sont de mauvaise foi et ont la mauvaise volonté. Mais si j'avais été chanteuse où j'avais créé les vêtements, parce que c'est ce que je vous dis que les gens rêvent, tous les chanteurs la rêvent. Ce qui est bizarre, ils pensent que c'est eux celui qui rêvent. Mais ils ont compris que l'islam est en train d'arriver, Inch'Allah, en force. Les chanteurs là, ils sont au courant. Ils ont rêvé de ça. Mais ils ne savent pas par quelle méthode et par quel moyen. Et ça va venir. Et tous là qui vous ont égaré là, ils vont tous avoir honte. Inch'Allah. Quelque chose qui est écrit. Quelqu'un parle de ça, une femme. C'est écrit. Elle, elle parle de ça. Vous ne voulez pas écouter ça. Vous ne voulez pas suivre ça. Nyeleroma. Vous savez que je suis moqueuse, non? Je vous attends. Inch'Allah. Peuple de Guinée. Je vais beaucoup me moquer de vous. Ça, là.
Vous allez encore dire que ce n'est pas islamique, mais je vais le faire. Inch'Allah. Merci pour les partages, pour les commentaires. Dadis Camara, bienvenue à lui. Il a échoué parce que peut-être c'est Allah qui l'a voulu. Il a été mal entouré. Je retiens que c'est un homme croyant. Moi, c'est ça le plus important pour moi. Et les prochaines élections, Inch'Allah, celui que je vais sentir plus croyant, honnêtement et sincèrement, j'irai de son côté. Oui, Inch'Allah. Parce que moi, mon combat, c'est ça. Tous les combats que tu mènes, si la base spirituelle islamique n'est pas là, c'est du vent. Tu n'iras nulle part. Et finalement, les gens vont se moquer de toi. C'est ça la vérité. C'est le travail de vos religieux, c'est pas mon travail. Mais comme ils ne le font pas, je le fais. Construire les écoles, c'est le travail de l'État. Mais il y a des gens qui se lèvent en Guinée qui construisent des écoles, des associations, bien. Ça veut dire qu'on a à l'envers. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça. Parce que c'est ce qu'on mérite. Quand on méritera mieux, mieux se passera. Merci encore de m'avoir écouté, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ceux qui ont partagé, merci. Ceux qui ne sont pas contents, comme d'habitude, je m'en fous, vous le savez. Et ceux qui ont mémorisé le Coran, bravo à vous. Parce que moi, une sourate de 10 minutes, c'est un gros problème. Mais vous voyez, vous vous avez mémorisé, moi, il m'a donné par là. Donc, nous devons travailler ensemble. Voilà, pour montrer aux gens que l'islam peut, que l'islam, c'est pas des gawas. Voilà, que les femmes voilées aussi, on a les yeux ouverts. Voilà, on peut, mais ça sera dans ce sens. On peut avoir la classe avec la grande robe. On peut être éloquente avec la grande robe. On peut être jolie sans le gros maquillage. On peut être très jolie sans les faux cheveux. On peut être très jolie avec le teint que Allah nous a donné parce que c'est ce qu'il a jugé nécessaire de nous donner. Maintenant, je lance un message à ceux qui me critiquent régulièrement dans les commentaires. Si vous avez la bouche et les doigts, toutes les décapées qui font les vidéos, toutes les Africaines, tout pays confondu, parce que ce sont eux qui influencent le plus, ce sont eux que vous regardez le plus, et les hommes qui ont des coiffures bizarres, que vous savez que c'est interdit, parce qu'un homme, c'est tout droit. Tu enlèves tout. Peut-être à la rigueur faire les bordures, peut-être à la rigueur, mais nous voyons qu'il y a même des hommes qui s'épilent. Épiler pour une femme, c'est interdit, mais un homme s'épile. On a plein de personnes comme ça. Mais vous les suivez depuis des années, c'est pourquoi ça ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Non, ça ne peut pas donner. Si tu n'as pas cette base-là, tu vas parler, le monde entier va te regarder. Mais ce que moi je dis là, concernant l'islam, tout le reste est faux. L'islam va revenir en Guinée. Les femmes vont se couvrir, Inch'Allah. Vous ne faites que retarder les choses. Et vous allez avoir honte. Partout là, tout le monde va vouloir être comme Marie Sissoko, Inch'Allah. Parce que c'est comment je lui ai demandé. Quand les trucs bizarres ont commencé sur moi, les gens m'ont dit, oh, parce que tu vas être quelqu'un de connu. J'ai dit, quelqu'un de connu, comment? Que tu as une âme qui est comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que moi je fais qui va être connu? Je ne suis pas quelqu'un de connu. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prier. Allah, si je dois être quelqu'un de connu, je vais être connu dans le sens islamique. C'est ce que j'ai demandé. C'est ce qu'il me donne. Les autres qui veulent être connus, ils veulent être connus seulement. Ils vont vous raconter des conneries et des bêtises ici depuis des années. Ça ne donnera pas, Inch'Allah. N'oubliez pas les prières du colis. Qu'Allah soit lui donne longue vie, bonne santé. Meilleure santé, qu'il soit bien tenu, que le président Dadis, l'ancien président Sékouba Konaté, qu'ils soient tous bien connus, même si Sékouba Konaté nous a mis dans les faux problèmes. Monsieur 24 points, mais lui aussi, il a été buté de la Guinée pendant, je crois, 10 ou 12 ans, ou 11 ans, ou 10 ans. Tout ça, là, c'est la justice d'Allah. Laissons Allah faire son travail. Il va le faire. C'est ce que Dadis a compris. Il a compris ce que les autres n'ont pas compris. Il a compris ce que Marie Sissoko a compris. Maintenant qu'il soit pratiquant ou non, ça c'est un autre débat. Mais il croit en Dieu, il est croyant, il se confie à lui. Awakallah lui dit qu'il le protège, qu'il le mette au-dessus de ceux qui ne sont pas aussi croyants que lui. Qu'il le mette au-dessus de même les musulmans qui ne mettent pas l'islam en avant. Si David a mis l'islam en avant, qu'Allah le mette en avant au-dessus de vous, Inch'Allah. Amina, nere wali mounsere yobafi koni rafira. Voilà, nous, Dalil, utilisez fait. À
Alpha Condé ramini geli Iblis rabeni aka la Guinée toro ala kana afin de wali nous serre yura mais ala simaya nous santia nous yala ni tanfiama rano juge de mouva ngala to inshallah mais illuminati ba reptilien ba divinité mon trinité yo satanique groupe modèle yo ni ne sentane nous adama sentane wali nous serre yura ba fi Alpha Condé ra fi ko ramini geli ala kana ne rebiri nana gere wasu ala wo échoué menge ala ala wo bi mabiri parce que wo amane sentane rabeni ma fala dal fa konne na ala fine khana ala fine adon tam mari su ko na la na ham makan dir na ka yona na ala makan di fi l'islam ka triom fi la ki nyani de fi gere foin khina la makula fa alfa konne rabeni ma la rabeni mais ga mari su ko ka parcours mune ida mbara ala yele mbara kata nga birindam mais ma yele ma goy ran ma yele da mo fa ma to de galati e ma yele fa konne fi ka ara ndi fa wa tan na kino la la fi alu mo ne ga fi wo fa na fa ma di ma tan na mo ra fa ngou ta ma donc na tan ka na ga ta na fa na kan wo ho li ma ne wo bo ki o ki aller retour devant comme derrière na fa na na kine han na ke la la gali ni ma lo ne han na ke la gali ni ma am fa frappe ala kan tan ga na ma astaghfirullah an limiti donc koro wali na serga yuba fi alfa konde ra fi kwa khamini geli kasali ana sentane fene ne re na na ba fi sentane fene na wora ala ga o perdi ala ga o ba suture ala ga o humilier ga o ridiculiser muta mwa mane dine di stama na matrio mwen tan wa mane no mi ru of matere me mu na kira go ma ala ga sambumbe amin allah afin di duro wali na serga soma wali na serga simbongo wali na serga kuyo wali na serera dozo wali na serera koro wali nu serera kuyo wali na serera nyeli wali na serera ba wona ga nyeli bombo na nan nan serera yo ba fe nyeli kira yo mala ga kana ala ga gulumma donc wo se sera ba fe nasans ma ne repiri na ra ba fe ala wo biri ntaga ala wo biri na yerbi alu alfa kon ne ra yerbi ri kana re ka wona rezo sosio na mala ga wora yerbi ka wona kene na ma wona dungui nan na wo ma sentane ga puissance na ngom malagine ala ga wora gere bi ga wo taga ga wo humilier ga wo ridiculiser ala na kana ba alfa konde ga puissance da rena se kama ala wo ga puissance se ka wo ta nya mara tan tan nya wule fale mu na faji sentane toy wo mo ga du ma nya hi de borofi ala ga mi fanyi ma ala ga wora gere bi du ma na ga ngom ala ga na makene yo ne ga fan na nya mara tan tan te produit fera mèche fera, fossile fera, faux ombre fera, c'est-à-dire fausse femme. Ala ho masara. On a insisté ala ho perdi. Ala ho masara go, ka ho sati. Mais ne re insisté fa ala ho ra gerba, ha ho ra perdi, parce que nyamara perdi na ora. C'est ça les mauvaises influences des réseaux sociaux sur ce pays-là. Tu commences les vidéos, tu es noir. Comme ça. Au bout d'un an, deux, trois ans, tu deviens Marie Sissoko. Plus clair que moi. Vos frères parlent de ça. Les critiqueurs, les lâches hypocrites qui viennent ici. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parce qu'elles vont vous insulter. Hein? Parce que c'est elles qui partagent les vidéos. Car... Mais est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Donc vous êtes en train de soutenir l'insoutenable. Inch'Allah, ça ne marchera pas. On a insisté. Koli feku alfa konde feku ifasala na sentane fene ala ga fe bete masen gobe na wo yigi tegema dangi fe le 5 septembre fira amin allah inshallah itan ala faride nsali na ganna ba ma kwera mara ba fi kai nyani ge fi rera ngwa l'islam ka triomphe du nyo ngwa la gine ra findi exemple islamique la fo maraba fina amadi kanna bar naraba fina na manet itan allah subhanahu wa taala itan angli bo menge bi ngli be itan angli to fam menge bi ngli be ikli bi fende de na reglema problème nde na reglema itan antam ba sentane ya itan allah fali de na mara mprodi sane na da mes na da mbele gale na ma ba yaraba tanayki fo mona bi na ba gadi kanna ba gane next ngen ge fi gera ngwa ma net la gine ga masara ira kira ya go mala gine ke kali mi sa ira fala e mumu na kira fa nyogo ma kana kina nya dara sentane to ene ke birina alfa konde de fanu fi alfa konde fanu na sentane fe ne menge allah subhanahu wa taala ira birina ta ga ira masara
Humiliation dans Alpha Condé le 5 septembre. Et règle soto. Ou pas moutan n'a pas fi. Ou moutan boye ça. Ou d'une rara moube, tempo balaye. Il s'est fait dans toi, c'est ce bête mara. A nous qui s'est en fait. Ou la dix cent ans de fille depuis des années. Ça ne donne rien. Et même année, Allah change quand il a envie de changer. Oui, mais il change aussi des gens pour que vous changez par rapport à ces gens-là. Vous pensez que tout le monde est privilégié comme moi. Mais moi, je me suis battue pendant des nuits et des nuits. Peut-être que Dadis s'est battu pendant ces 10 ans-là. C'est lui celui qui sait ce qu'il a vécu. Mais vous allez, votre tour va arriver. Tête de mort là. Si tu es avec Iblis, qu'Allah t'humilie. La cause pour laquelle tu as mis les têtes de mort là. Si c'est la cause d'Iblis, qu'il vous humilie tous comme il a humilié Alpha Condé. Inch'Allah. C'est ça. C'est le travail de vos religieux. Mais je vous ai dit, les gens qui parlent ici et les imams là, vous allez sortir un jour pour aller les frapper. Inch'Allah, ça viendra. Tellement ils vous ont mis dans l'erreur. Alati. Je fais des vidéos. Bah. Je ne fais pas. Bah. Je prie dans ce sens-là. Parce que c'est là que je vais frotter mes mains et rire. Que, oh, c'est qui en grosse robe là? Il y a des gens qui vont mettre le voile intégral à cause de la honte. Tellement ils ont égaré les gens. À cause de la honte. Il y a des gens qui vont dire, ah, non, on m'a dit, oh, tu as dit telle chose là, tu n'as même pas rajouté tel hadith. Oui, mais la porte là, c'est moi qui l'ai ouverte en Guinée. Oui. Et ça, personne ne va l'oublier. Mon nom là, que ce soit collé à ça, Inch'Allah, ce sera collé à ça. C'est une question de temps. Merci à tout le monde. Ou allez nous faire un yoba fait. C'est un temps qui est là, au mal à l'on nous d'alu lui a, voilà, mon nom nous n'a d'alu l'idade. Wa ba fait, ni re contre, moutaye ou bete. Wotan ni re ba fait. Alla nan ou birin d'ala à l'incana. Anaï kanama ha ou masarma, na yerabi degré. Aourani. Yo, parce que m'ri tamou c'est un temps, tu es rafé tant ton gomère, ou m'a côté rek. Miracle, Alpha Condé nous allons nous narrer. Dadis, Allah l'aime. Et lui aussi l'aime. Dadis aime Dieu. Je vais souligner là-bas. Comme Dadis aime Dieu, on voulait le tuer. Il n'est pas mort. On voulait l'humilier. Mais il est revenu. Et à quel moment? C'est parce qu'il aime Dieu. Dieu l'aime. Mais lui aussi l'aime. Mais comme Alpha Condé, le colis pourri, là, cette pourriture, n'aimait pas là. Allah l'a humilié devant tout le monde pour dire, lui, il n'était pas avec moi. Maintenant, celui qui défend ça, tu fais de ça ton cheval de bataille. Quand tu vas dire que tu es avec Dieu, Allah aura salinu aura souni, Allah aura brinkana. Parce qu'on soum fait c'est un an, mais on s'en fait c'est un an, Allah aura brinkana. Allah aura massé moube. N'tanna talanga fi. Inanou ala fi. Alou mané rafi. Arama se mwobe gi. Ginan tangli ma rakuya. Ginan gli fe honnêtement et sincèrement. Mou fa mané. Ala rafa la gine. Mou fa mgli rabakunara. Vos religieux que vous croyez là. Vous allez voir. Les gens que vous regardez ici depuis des années là. Vous allez comprendre que vous même. Non. Vous avez fait confiance à des gens ici non. Je vais vous sensibiliser que non. Ne les touchez pas. Laissez-les. C'était Iblis. C'est des gens qui voulaient être connus. Iblis les a amenés du monde. La première mission d'un musulman, c'est de se battre dans le sens de l'islam. Adorer ton créateur. Si tu as échoué cela, rien ne va réussir. La réussite, ce n'est pas l'argent. On a besoin d'argent pour vivre. On ne vit pas que pour ça. Premier point, on est créé pour adorer un Dieu. Quand tu l'adores correctement, l'argent vient en deuxième plan.